La rune de Tyr, c'est ça. On est entrés. Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? Je n'en sais pas plus que toi, petit frère. De passage entre les royaumes. Mais pourquoi le sol est au plafond? Ces portes de royaume semblent refléter celles du dessus. Là-haut, Tyr a utilisé la même magie pour protéger la rune noire. L'indice qu'on cherche est peut-être à l'intérieur. Ah, juste à côté de la porte vers Jotunheim. Intéressant. Mais est-ce qu'on peut l'atteindre? Pas d'ici. Oh, qu'est-ce qu'il y a derrière? Eh bien, chaque sanctuaire en renferme un autre. Ces tapisseries, c'est encore l'œuvre des géants. J'ignore ce que Tyr a fait pour eux, mais ça devait être important. Oh, qui est-ce ? Atreus, c'est bien la rune pour Jotunheim? Oui, et regarde! On est de l'autre côté de la porte. La porte est à l'envers. À quoi tu penses? Recule. D'accord. Reste qui bouge. Tout le temps! Extraordinaire! La salle tout entière est construite sur une sorte d'axe. Il y a des chaînes de chaque côté. Sans elles... On peut retourner le temple. Génial! Faire quoi? Oh oh! Il se passe quelque chose! Pas l'air d'attaquer. Tu veux que j'y... Atreus, sur les statues. Je les vois. Ça dit vide. Plutôt sinistre. Vas-y, lis. Avant le premier et après le dernier, rien entre et aucune ombre projetée. Aoth. Tu es sûr que retourner le temple est le seul moyen d'atteindre... C'est quoi? Tu as dit qu'il y aurait un chemin et le temple peut être retourné. Donc, on va retourner le temple. Ta logique est imparable. Je ne sais pas trop ce qui se passe quand on retourne sauvagement une salle reliée à 8 autres royaumes. Mais ce que je sais, c'est qu'il faut de l'imagination pour penser que ça va nous conduire à Jotunheim. J'ai plein d'imagination. Eh bien, qui sait? Peut-être que Tyr et toi êtes atteints de la même folie. Encore ces pièges mortels. J'ai une idée, mon frère. Pourquoi ne pas laisser le garçon me porter un peu? Et te laisser rater ça? Non. Ça t'a vu, n'est-ce pas?
Toi de jouer, mon frère. En attendant que les dieux soient beaux. On peut attendre longtemps. Non. C'est nous qui vous attendons. Thank you.
Encore un de ce côté. Son nom était Bergelmir. Maman m'a dit que c'était un roi parmi les géants, il me semble. Oui, c'était le cas. Et il était plus encore. On dirait qu'il avait beaucoup d'enfants. Ça, petit, c'est ce qu'on appelle un euphémisme. Il est mort, mais personne ne l'a tué. Est-ce que les géants meurent de vieillesse? Ça arrive, mais c'est plutôt rare, d'après les légendes. Ah, c'est l'autre genre de piège. Je vois varier le plaisir. Je déteste cette partie. Je sais. Je déteste ces parties. Je sais. Je reviens pas qu'on soit si près du but. Personnellement, je n'ai jamais douté. Ouais. Laissez-les en paix. De toute évidence, ça ne s'adresse pas à nous, ça. Grrrr!
Pourrait-on arrêter d'employer l'expression « retourner le temps » C'est normal.
sais ce que je vous ai promis, mais si jamais ça ne marchait pas, souvenez-vous. Tyr a créé ces obstacles pour une bonne raison. Il a su empêcher Odin d'atteindre Jotunheim, mais la paix est loin de régner. Non, mais il y a de l'espoir. On travaille tous ensemble maintenant. On est unis. C'est ça que signifiait la rune sur la porte qui menait ici. On suit la voie de Tyr. Pousse avec tes jambes, frère. Il sait. J'essayais. Sera la solution, je serai content d'être de ton côté, mon frère, et nous ne sommes pas morts. Que demander de plus? Là, à gauche! Tu vois, Mimir? Personne pourrait faire ça tout seul. Tous ces obstacles, ils nous permettent de prouver qu'on est les seuls à pouvoir les battre. On a beau se disputer, mon père et moi, toi et Freya, Brock et Sindri. Quand on unit nos efforts, on forme une bonne équipe. C'est ça le test de Tyr! Et c'est pour ça qu'on va réussir à atteindre Jotunheim. Tu entends ça, mon frère? Le garçon a trouvé son équilibre. Ça veut dire quoi, ça? Il veut dire que tu parles avec sagesse, Atreus. Et ça fait plaisir à entendre. Ha! Et alors le temple a été conçu pour être renversé? Regardez! L'arbre est à l'envers. Ou... c'est nous? Je sais plus trop. Atreus, ton couteau. Alors, qu'avons-nous là? Une sorte de pierre de transport. Fais-moi voir. Par les piles d'Odum, là, c'est la pierre d'unité. Tu sais ce que c'est? Je n'étais pas sûr qu'elle existe. Si Tyr l'avait en sa possession, ça expliquerait comment il a pu se rendre dans tous les royaumes, et même au-delà. Il tenait ceci. Sur le panneau dans la bibliothèque d'Odin. Oui. Oui, ça y est, je comprends maintenant. Ça montre Tyr parcourant le monde entre les royaumes. On dit toujours qu'il ne faut pas s'écarter du droit chemin, mais Tyr, lui, suivait son propre chemin, si tu vois ce que je veux dire. Le monde entre les royaumes. Alors tu penses que la fresque de Tyr le montrait sautant d'une branche de l'arbre monde et que, pour atteindre l'accès secret à Jotunheim, nous devons en faire autant? C'est ça. Bonté divine. Tu le penses vraiment, n'est-ce pas? Une autre fois, alors. Si tu comptes nous précipiter dans le vide, j'espère que tu sais ce que tu fais. C'était pas ton idée, de trouver notre propre voie. Et merde. C'est là que Tyr a franchi le pas, et que la pierre d'unité l'a protégé. Prêt? Prêt. Eh bien, nous y voilà, mes amis. Ce fut un honneur. Aie confiance, tête.
pu avoir la nausée alors que je n'ai pas l'estomac. Tu rigoles, c'était génial! Regarde! La tour! Je savais bien qu'il y avait quelque chose ici! Incroyable! Comment cache-t-on une chose qui existe dans tous les royaumes? En la déplaçant dans le monde qui sépare les royaumes? Tyr était malin. Est-ce que Jotunheim est de l'autre côté? Ça ne peut pas être ça. On ne peut pas passer par Vanaheim pour atteindre le pic de Midgard. Alors comment on l'utilise? Je suggère de regarder à l'intérieur, mais restez prudent. Les défis de Tyr ne sont jamais aussi simples qu'il y paraît. J'avais remarqué. Dépouillé. Le piédestal. Oh non! Il a pris la pierre! La tour. Elle absorbe l'énergie de la pierre. Il se passe quelque chose! Elle bouge! Elle bouge! Elle sait quoi faire! La pierre a rempli son rôle! On réalise le sort de Tyr! Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Aucune idée. Mais après cette chute, le pire doit être derrière nous. Ah, je retire ce que je viens de dire.
revenus à elle? Ah non, ils arrivent. La salle de passage de tir peut maintenant nous mener à Jotunheim. Comment Tyr a fait ça? Odin soupçonnait les géants de posséder des restes de l'essence primordiale des Jotnar. C'est la source de la création de tous les royaumes. La pierre d'unité a dû être façonnée à partir de cette essence. Pour qu'il la confie à un étranger, même à Tyr, il fallait vraiment qu'il soit désespéré. Et regarde! On peut enfin allumer tous les brasiers et voir ce qui arrive!
J'ignore ce qu'on trouvera en arrivant à Jotunheim, mais nous devons couvrir nos traces. Les corbeaux d'Odin lui rapporteront que la tour est restaurée. Il ne faut pas qu'il en tire parti. Très bien. Attendez un peu. Ça ne peut pas marcher. Pourquoi ? Il n'y a pas de cristal de passage. Tyr a dû se servir de ses yeux pour effracter l'énergie. C'était sa dernière protection. Je ne vois plus, Mimir. J'ai un œil. Un seul. Odin m'a pris l'autre précisément pour m'empêcher de voyager. Désolé, les amis. Je pensais que ça marcherait. Qu'est-ce qu'Odin a fait de ton autre œil ? Il peut l'avoir gardé dans une centaine d'endroits. J'en ai peur. Après tout ce chemin ? Ça peut pas s'arrêter là. Écoutez, je n'y crois pas trop, mais des années durant, j'ai vu Sindri, et parfois Brock, rôder dans cette montagne pendant les visites d'Odin. Ils savent peut-être quelque chose. Brock et Sindri! Dites, une petite question. Est-ce que quelqu'un sait où se trouve l'autre œil de Mimir ? Oh ! Je suis navré. Il se trouve qu'Odin m'a demandé de... Oh ! Il voulait que je lui fabrique... Enfin, il me l'a montré et moi j'ai... J'ai décliné. Pardon. Vous ? M'excusez un instant. On n'est pas plus avancé. Vous savez, Odin est venu me voir à peu près en même temps. Il cherchait quelqu'un pour construire une statue avec un genre de compartiment secret. Comme c'était pas une arme et que les Ases sont une bande de sacs à purins, j'ai préféré décliner, moi aussi. Mais je sais qu'il a trouvé quelqu'un pour faire le boulot. C'était quelle statue ? La statue de Thor, celle qui montre ses baloches au lac. Celle que le serpent a avalée. Veuillez m'excuser. Je me sens beaucoup mieux. Comment on peut chercher à l'intérieur du serpent ? À l'intérieur du... Oh non ! Nous ferions mieux d'aller demander au serpent monde ce qu'il en pense. Eh bien, mes amis, j'ignore ce qui nous attend, mais si j'étais vous, je m'assurerais que mon équipement peut résister au pire. Si vous avez quelque chose à faire à ce moment-là, reparti pour la campagne. Qu'elle est peut-être encore dans son estomac. Et il accepte de vous laisser entrer dans sa gueule pour la retrouver. Ah, vraiment ? En réalité, il ne raffole pas de l'idée non plus. Donc, on va vraiment...
vraiment le faire, on va laisser le serpent nous avaler. Tu n'es pas obligé de venir. Eh bien, j'y tiens pas absolument. Atreus, avec moi! C'est bon, j'arrive. T'es sûr que c'est une bonne idée? Non. Eh bien, mes frères, j'ai vu un tas d'endroits étranges, mais ça, c'est une première. Je suis jamais allé dans le ventre d'un géant non plus. Et toi, père? Aucun qui ne cherchait pas à me manger. Ce genre de réponse ne devrait même plus me surprendre, mais... Avant, je rêvais que je me faisais manger. N'aie pas peur de tes rêves. J'ai pas peur. Je me rappelais seulement ce que je ressentais. Quand j'étais enfant. Trouvons cette statue. Ça sent meilleur que je ne l'aurais imaginé. Un peu comme de la bière de bruyère qui fermente. C'est même plutôt agréable. T'es vraiment bizarre. L'eau est brûlante ici. C'était bien de l'eau, hein? Oui, en partie. Tu veux qu'on s'arrête sur cette plage? Où Odin aurait pu cacher ton œil. Non, c'est pas comme s'il pouvait encore voir.
C'est bien un œil. Tu devrais peut-être le remettre dans mon orbite pour le protéger. Doucement, doucement. Merci, mon frère. On ne se rend pas compte à quel point la profondeur est importante. Qu'est-ce que ça fait, Mimir ? Eh bien, je ne me sens toujours pas entier, mais c'est une nette amélioration. Le Bifrost est intact. Il fonctionnera. Alors nous avons ce qu'il nous faut. On peut enfin aller à Jotunheim. Rien ne nous arrêtera cette fois. Jeune maître, connais-tu l'expression « forcer le destin » ? Le destin n'est qu'un mythe inventé par les dieux. Oui, bien sûr. Tu es bien le fils de ton père, toi. Comment on va ressortir ? En faisant signe. Accroche-toi ! Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, c'était assez terrifiant. Peut-être que notre présence perturbe son estomac. Non. Il se passe quelque chose. Qu'est-ce qui lui arrive ? Rien de bon. Content que ce soit fini. Quelqu'un le frappe ? Qu'est-ce qui se passe ? On doit faire vite. Je suis tout à fait d'accord. Ça va. Je crois que je commence à être habitué. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? C'est à cause de nous ? Non. C'est autre chose. Le géant mort. Pourquoi le serpent nous laisserait là ? Regarde ! Monde. Que s'est-il passé ? On espérait que tu le saurais. Tu es loin de chez toi. Je cherche mon fils. Tous les deux. Vous m'avez aidé à y voir plus clair. Alors tu ne sais pas où il est ? Non. Mais la forêt et les champs soufflent son nom. Je sais qu'il est ici, à Midgard. Depuis quand tu l'as pas vu ? Depuis fort longtemps. Bien avant ta naissance. Pourquoi tu restes aussi loin de moi ? Qu'y a-t-il ? Il s'est passé quelque chose. Là ! Je me doutais bien que blesser le grand serpent vous ferait sortir de là. Est-ce que vous avez la moindre idée, de ce que vous m'avez fait faire ? Mon fils. Mère. Je suis là. Ne t'enfuis pas. Oh, je n'irai nulle part, mère. Je sais que tu m'en veux encore. Je sais que ce que tu ressens n'a pas changé, mais laisse-moi te... Ce que je ressens... Ce que je ressens...
J'ai passé les 100 derniers hivers à rêver de ce moment. J'ai répété tout ce que j'ai toujours voulu te dire, chaque mot, pour te faire comprendre exactement ce que tu m'avais volé. Mais maintenant, je me rends compte que je n'ai pas besoin que tu comprennes quoi que ce soit. En fait, je n'ai pas besoin de toi. Non, écarte-toi, Kratos, ça ne te concerne pas. La voie que tu as choisie, celle de la vengeance, elle ne t'apportera pas la paix. Crois-moi. Toi, je m'occuperai de toi plus tard. La famille d'abord. Tu recommences. Tu dois y aller. Je t'en prie. Non. Je peux le raisonner. Arrêtez de vous battre. Conseille de tourner la tête, petit. Ça va pas être beau à voir. Je te laisserai pas faire. Non, Atreus. Très bien. Non. Non, Atreus. Tu saignes. Allez, respire. Je t'en prie. C'est pas mon sang. Je sens la douleur. Je sens absolument tout. Non ! Il est vulnérable maintenant. Pas simplement blessé, le sort est rompu. On peut le tuer. J'en suis certain. Tout me revient à présent. Maintenant, ça lui revient. Ah ! Elle contrôle cette chose ? Ne t'en mêle pas ! Je peux le raisonner ! Non, femme ! Tu ne peux pas ! Il a l'intention de te tuer ! Où est-il ? Je me moque qu'il me tue. Je le protégerai. Je ne le laisserai pas mourir. Ce sera bientôt fini. Là ! Arrête ! Tout de suite !
venir. Tu es faible, mais ce sera bientôt ton tour. La neige, le vent, je sors tout. Arrête-le!
silence. Quelle ironie, n'est-ce pas? Quoi? Pourquoi? Vas-y!
Il est vaincu, père. C'est plus une menace. Je t'interdis de t'en prendre à nous. Et à elle. Je n'ai pas besoin de ta protection. Tu ne peux pas t'empêcher, ma vraie mère. Quoi que je fasse, quoi que je dise, il faut toujours que tu entends, que tu interviennes. J'essayais juste de te protéger. Je voulais... J'ai fait des erreurs, je le sais. Mais tu es libre à présent. Tu as ce que tu voulais. Essaie de me pardonner et nous pourrons construire une nouvelle vie. Non. Non. Pourquoi ? Ça n'arrivera pas. Parce que je ne te pardonnerai jamais. Tu dois encore payer pour la vie que tu m'as volée. J'ai déjà payé. J'ai déjà payé. Si c'est la seule chose qui te rend heureux. Si me voir morte peut t'apporter la paix. Je ne t'arrêterai pas. Je sais. Pourquoi ? Ça ne te concerne pas ! T'aurais pu reprendre ta route ! Le cycle s'achève ici. Nous devons être meilleurs que ça. Sa voix. Je déchaînerai tous les tourments, tous les supplices imaginables contre toi. J'exposerai ton corps sans vie aux quatre coins des neuf royaumes et je jetterai ton âme en pâture aux créatures infernales. Je t'en fais la promesse. Il t'a sauvé la vie. Il m'a pris ce que j'avais de plus cher. Il m'a pris ce que j'avais de plus cher. Tu n'es qu'un animal. Tu transmets ta cruauté et ta rage. Tu ne changeras jamais. Alors tu ne sais rien de moi. J'en sais bien assez. Mais lui... Atreus. Écoute bien. Je viens d'une ville appelée Sparte. J'ai fait un pacte avec un dieu et j'y ai laissé mon âme. J'ai tué des gens qu'il méritait. Et d'autres qu'il ne méritait pas.
J'ai tué mon père. C'était bien ton père, elle. C'est ça, être un dieu. Ça finit toujours comme ça. Les fils tuent leur mère. Et leur père. Non. Nous serons les dieux que nous choisirons d'être. Pas les dieux qui ont été. Tu n'as pas à devenir celui que j'étais. Nous devons être meilleurs. Bon, j'imagine que ça fait de nous les méchants. Oui, à ses yeux. Mais c'est un choix qu'elle n'aurait jamais pu faire. Nous devrions finir ce voyage tant que j'en ai la force. Je comprends pas. Je sais qu'on a bien fait de la sauver. Mais elle avait l'air méchante à la fin. Pas méchante. Tu as tué son fils, petit. Tu as tué son fils. Un parent ne se remet pas facilement de la mort de son enfant. Mais il allait la tuer. Elle serait morte pour qu'il vive. Seul un parent peut comprendre ces choses. Alors tu me laisserais te tuer? Si ça te permettait de vivre, oui. Écoute, ce n'était un choix facile pour personne, mon frère. Mais on sait tous que tu as fait ce qu'il fallait. Le monde a besoin de Freya. Il faut juste lui laisser du temps. Elle finira par s'en remettre. Alors retournons au temple de Tyr, une dernière fois. Oui, Jotunheim nous attend.